Donc bienvenue à la VOD où je n'ai absolument pas fait le résumé avant d'enregistrer, non. Je reviens sur Graveyard Keeper et bien pour voir s'il y a eu des petites modifications en absence, je n'y ai pas joué depuis la mi-novembre. Ça remonte à une éternité. Par contre la musique est forte. Je vais régler ça de ce pas. Ah, donc non. C'est un peu un univers à la Stardew Valley. J'ai quelque peu oublié, bien sûr, les commandes. Et je suis en clavier QWERTY. Mais ouais, mais tout est revenu à 100, là. Au secours. Attendez, il n'y a pas besoin, je crois, de mettre aussi bas. Je crois pas qu'il y ait besoin de mettre aussi bas. La musique? Allô? Allô la musique? Allô l'orchestre? Bon. Déjà, je vais régler les contrôles. Je vais régler les contrôles. Bas, c'est S, gauche. Q. Ah, attendez. Bas, gauche. Ah, oui, le haut. Le haut était ici. ZQSD. Bien sûr. Retour au menu. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Bref. Y'a plus de musique! Au secours! Où est passée la musique? Je vais mettre tout ici. Voilà. Y'a de la musique là? Ah oui. Mais c'est de la musique relativement sinistre. Voilà. Bam, badabam. J'ai augmenté un peu. Alors. Donc effectivement, j'avais toute ma réserve de bois. J'avais fabriqué des fours en tout genre. Les carottes ont poussé. Ah oui, c'est ça. F. J. J ne marche pas. Faut se remettre les contrôles en tête. Le journal M. Bon, ok. Personnage, c'est I. Ah oui, c'est ça. I pour connaître les quêtes. Voilà, c'est ça. Les quêtes, les améliorations, etc. Alors, PNJ connu. Lui, gardien du cimetière. Je dois retourner auprès de celle que j'ai aimée. Bah oui, bien sûr, puisque je suis mort dans un tragique accident de voiture. Enfin, accident de la route où je traversais et quelqu'un m'a roulé dessus. Jerry, le crâne qui nous accompagne. Je dois lui obtenir du vin. Mais pour cela, il faut que j'aille voir le barman. Le barman. Ah oui, puis Yorick qui veut que je me débarrasse d'un corps, mais je crois que je l'ai fait. Voilà, Oradric. Eh ben, on va retourner à l'auberge. Endroit, bien sûr, de tous les débuts d'aventure. Ah oui, attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne, lui, déjà? Faut que je lui donne des carottes? Ah non, il a besoin d'huile pour sa roue, je crois. Mais de l'huile? Bah oui, mais je la trouve où, ta putain d'huile? Parce qu'il fallait que je lui file des carottes. Et en plus de ces carottes, il fallait que je lui répare sa roue. Sauf que l'huile, je sais pas du tout où la trouver. Et je crois qu'il fait encore nuit. J'étais un peu décalée, on va dire, niveau sommeil. Ça, est-ce que c'est à ramasser? Non. Là en bas, il y aura quelque chose. Oh, quoi? Ah. Bien le bonjour, bande de malpolis. Ah oui, alors lui, c'est notre ennemi. Hein. L'évêque, c'est notre ennemi. Alors, l'huile. L'huile, où pourrais-je trouver de l'huile? Alors... Regardons la map. Là, il y a la morgue, notre domicile, le potager, la vigne, colline aux sorcières où on a vu un terrible sacrifice. Est-ce que... Alors, le forgeron est là. Le forgeron est tout en bas. Parce que j'aimerais bien que mon âne continue à ne pas faire pourrir les corps en extérieur. Ah oui, là, je me suis fait foudroyer. Non, attendez, je suis où? Par contre, il n'y a pas de marqueur. Ça, c'est une énorme faute. Donc, c'est avant la barrière. Donc, en théorie, le forgeron est ici.
Voilà, donc il y a le minerai, etc. Commercer. Ah, je peux te vendre mon minerai de fer. Ok, mais... Soit dit en passant, est-ce que je sais faire de l'huile? Apiculture, non? Oh, je pourrais faire de la pierre. Oh, punaise, oui. Bouteille de jus de pomme? Bouteille de vin rouge? Ah, alors peut-être que c'est à moi de faire le vin rouge pour notre cher Jerry. Non, ça c'est tout ce qui concerne la forge. L'alchimie. Alors oui, on peut du coup se nourrir de la chair des morts. Ce qui est horrible. Où est-ce que je vais choper son huile? Construction. D'accord. Ok. Donc lui n'a pas d'huile. Ensuite, qui on pourrait aller voir? Donc là, c'est un marchand itinérant. Là, c'est pour le blé. Mais peut-être que le marchand itinérant, il a quelque chose. Ah, c'est vrai que les journées, par contre, ont leurs propres événements. Alors, j'ai pas regardé. Donc en remontant, c'est au premier carrefour. Sauf que le mec n'est pas là. La porte est fermée. Bye. Ben, je vais voir à l'auberge s'ils ont pas quelque chose. Ah! T'as pas d'huile. T'as de la bière, par contre. Alors oui, pourquoi... comment je dois... Comment j'obtiens le tampon? Oh, je sais plus, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. La poisse pas aujourd'hui. Alors, lui, c'est qui? Ah, lui, oui, c'est vrai. Faut que j'apprenne à écrire. Faut que je lui amène 10 papiers et une encre. Où est-ce que tu trouves le papier? Ah oui, l'église, c'est vrai. Ouais, bah là, non, on verra plus tard. Ah oui, puis l'astrologue, il faut qu'on trouve un moyen de parler, de lui parler, parce qu'à chaque fois, il nous sort... Il ne nous parle pas. Il ne veut absolument pas nous parler. Et le marchand itinérant qui n'est là que certaines journées... non, c'est pas ça, c'est ça... Les PNJ... Lui, là. Il est là dans les jours marrons. Ah bah dans 2 jours. Dans 2 jours, il sera là et il faut que je lui amène quoi? Faut que je lui amène 12 carottes, 12 choux, 12 betteraves. Pour tester. Et apporter l'herbe à hockey. Ah oui, c'est vrai, je lui avais fait une voix bourrée alors qu'en fait, il avait juste le hockey parce que... Parce qu'il a peut-être mangé trop vite, en fait. Mais en aucun cas, il n'était bourré. Mais moi, je l'ai fait comme s'il était bourré. Malheureusement pour lui. Et c'est un petit jeu, franchement, qui est très chill. Bon, je pense que ça, ça va devenir peut-être mon jeu de secours, si jamais il n'y a pas vraiment matière à faire. Ah oui, du coup, les carottes, etc. Ah, je peux en prendre? Ça y est? Oh! D'accord. Ah! J'ai pas assez de graines. J'ai que 7 carottes et j'ai pas assez de graines. Ah, et puis je peux pêcher. Ouais, j'avais acquis pas mal de choses quand même. Permis d'exhumer. Ah bah oui, j'avais eu des permis d'exhumer du coup. Lingot de fer, qu'est-ce qu'il foutait là? Un corps. Bah ouais. Bah non, il veut pas me le déposer. Donc à mon avis, le mec, il sera rendu en poussière. Dès que je le prendrai. Faudrait peut-être que j'améliore ça. Ah oui, pour mon église, pour les faire croire en ma noble foi. Ou mon noble foi aussi, accessoirement. Ah oui, si, donc j'avais réussi. Un broyeur alchimique. Alors, là, ça va être l'instant bricolage Valérie D'Amido. On va refaire, rebooster... cet endroit. Alors il me faut 10 clous et 4 pièces de fer complexes. Est-ce que j'avais quelque chose là-dedans?
que Nenny. La bouffe, est-ce que je pourrais pas me permettre de mettre ça en raccourci? En sachant que ouais, ça ne me libère pas du tout mon inventaire. C'est le problème. Attends, je vais rapprocher ça. Voilà. Le seul truc peut-être un peu relou dans ce jeu, c'est... Ah bah il pleut. Le seul truc un peu relou, c'est qu'il faut systématiquement appuyer sur E pour sortir. Il n'y a pas d'automatisme, malheureusement. Donc il me faut de la ferraille complexe. Mais est-ce que j'ai ça? Pièce en fer complexe, bien sûr. Il me faut les 6 clous, bien sûr. Donc là, j'ai bien 10 clous. Eh bien, on va fabriquer ça, si j'ai ce qu'il faut. Pièce en fer complexe. Et il me faut, du coup, des lingots de fer, parce que je crois que je n'en ai pas remis. Et que c'était pour ça que j'en avais. Tout à fait. En revanche... Ah oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas d'armes à mettre automatiquement dans notre main. Ça vient tout seul dès qu'on se dirige vers un arbre ou autre pour pouvoir le couper. Oh, mais il fait déjà nuit! Je crois que je vais déjà commencer peut-être... je ferai mon jardin plus tard. Je vais... Bah, attendez, est-ce que je peux pas déjà m'occuper de ces arbres-là? Technologie requise! Mais merde! Mais j'ai du bois là partout aussi à ramasser. J'avais tout ça à ramasser et j'ai pas arrangé ma chambre. Mon dieu, je me demande si je mérite une autre vie. En vrai. Merde, mais non, mais il est encore... il fait encore nuit là. Bon, tant pis. Tout seul, dans le froid, la nuit. Le Fossoyeur, je cherchais son nom. Brave toute la météo pour travailler, pour donner ce que ce malheureux âne souhaite. Est-ce que je peux couper ça? Oui, je peux couper ça. On va faire un peu de ménage. Voilà. Pépère. Oh, bah il s'est arrêté de pleuvoir, à la bonne heure. Bon, c'est vrai que comparé à Dandara, ça manque un peu d'action. On va pas se mentir. Mais c'est reposant de se, voilà, de faire ce genre de petit jeu, histoire aussi de débriefer un petit peu sur les événements. Donc normalement, j'ai de quoi faire mon établi d'église. Ce qui va m'aider aussi à améliorer tout ça. C'est le stream de la déco. Ah, Arg, oui, c'est vrai, merde. Mais, du coup, attendez. Donc il nous faut du verre. Là-dessus, il n'y a pas photo, donc il faut le fourneau. Établi d'alchimie, broyeur alchimique. C'est quoi ça? Brique de pierre polie. Au coup de pierre, au coup de pierre 2. Ok. À la bonne heure. Bon, c'est pas grave, je vais pas dormir pendant 36 heures. Merde, mais qu'est-ce que je fais? J'ai regardé ailleurs. Je vais pas dormir pendant 36 heures. Oh, mais il y a de l'XP là, bah oui, bien sûr. Pièce complexe. Ok, donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Bah non. Oh, merde, j'ai fabriqué de la ferraille. Oh non, quelle erreur. Bah. Merde. Ah. Oui. J'avais zappé ce détail. Et ben voilà. En fait, il faut d'abord rentrer le matériel,
puis fabriquer. C'est comme ça que ça marche. J'y étais pas du tout. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. En attendant, j'enterre plus un seul corps. C'est ça qui est quand même malheureux, mais bon. La qualité de mon jardin de neuf, merde. Faut déjà que je change les pierres tombales. L'établi d'église. Bah, il va être ici. Voilà. Donc après, il me faut de la brique de pierre polie. Ah ouais, mais il faut que je le construise. Voilà, et qu'est-ce que je peux fabriquer? Et c'est là que je fabrique le papier. Ah, alors, est-ce que j'ai été arraché de la peau? Est-ce que j'ai été arraché de la peau ou des ailes de chauve-souris? Que nenni. Alors ici, est-ce que je peux pas mettre... J'ai mis quoi ici? De la peau de la sélection, du sang et la solution du chaos. Qu'est-ce que ça fiche là-dedans? Ah mais oui, c'est vrai. Poutre en bois et pièce de fer simple. C'est vrai qu'il faut que je parle à serpent. Eh ben, fabriquons des poutres en bois et des pièces en fer simple. Wow, quel temps absolument abominable. C'est encore pire que tout ce que j'ai pu avoir. Mais au moins, ça, c'est pas un jeu qui déprime malgré son contexte. Ah, c'est pas encore fini. Est-ce que j'ai des pièces en fer simple? Oui, j'en ai plein. Par contre, alors ça, je vais mettre les dosses ici. Les bâtons ici aussi. La bouffe, oui, il faut que je trie mes affaires. Je vais mettre la nourriture là-dedans. Tout ce qui est déchets agricoles. Ça, là, oui. Ça ici. Mais j'ai 17 carottes! Mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai déjà des ailes de chauve-souris. Ok, et puis les fleurs là, et ça, non. Je vais le mettre dans le coffre dehors. Je vais le mettre là. Billes de bois, j'en ai pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, c'est ça que je voulais mettre dehors. Du coup... Ici, qu'est-ce que je peux fabriquer? Une poutre. Où est-ce que je peux fabriquer une poutre? Nom d'un chien. Ah, l'établi peut-être, là. Burin en fer. Planche de bois. Non! Ce n'est pas ce que je cherche. Non! Pas du tout. Non, je veux pas aiguiser. Ah, si, je peux aiguiser mes armes. Je vais aiguiser ma pioche. Faut que je pense à aiguiser mes outils. Voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Zag. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, du coup. Morceau de pierre. Coup de pierre. Alors, le coup de pierre de niveau 2, comment je l'obtiens? Coup de pierre, ouais, d'accord. Mais alors, du coup, coup de pierre de niveau 2, c'est peut-être que j'ai pas assez de technologie. Parce que le bleu, je ne sais pas comment... Ah, bah j'ai pas encore accès aux poutres. Et aux pierres polies, j'ai pas assez de... spiritisme. Ah! Et la messe? Merde, c'est quand la messe? Je sais plus. Je sais plus quand a lieu la messe qu'il faut que j'anime en plus. Alors là, si je sais pas quand est la messe, je suis un peu in the merde. Comment? Quelle quête je peux faire là, techniquement? J'ai pas beaucoup de quêtes à faire. Ouais, donc le marchand n'est pas encore là. 12 carottes, 12 choux, 12 betteraves. Mais je crois que le... Il y a quelqu'un qui a 12 betteraves. Et je me demande si c'est pas l'auberge.
Oula. Ça va, le rendu ne merde pas trop. D'après ce que je vois, ça a pas l'air d'être trop mal. Le seul truc relou, là, c'est que j'ai pas de monture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de vélo, j'ai pas de cheval. Je n'ai rien de tout ça. Bon, l'astrologue, c'est vrai que j'aurais pu aller le voir. Mais en l'état, je n'ai toujours pas trouvé comment lui parler. Donc pour l'instant, je ne vais pas... pas tenter. Alors le petit village où deux dames se ressemblent. Ce sont des PNJ après tout. Ezio nous fait l'honneur de sa visite. Commercer. C'est des tranches de betterave. Ça n'a rien à voir. Pierre à foyer. Ok, donc l'info suivante, c'est que le marchand n'est pas là. J'ai toujours pas de betterave. Donc je ne sais pas comment en obtenir. À moins qu'ici, il y ait de quoi... Ah, il y a des betteraves, là. Je peux pas en obtenir parce que j'ai pas les graines. Est-ce que c'est... C'est là qu'il faut les acheter. Donc je vais y aller demain matin. Pour acheter mes graines. Et ainsi pouvoir pallier à cet horrible problème. À moins que je dorme, peut-être. Là, j'ai possibilité de me recaler sur un horaire un peu plus raisonnable. Et vu l'heure après, je vais décrocher. Déjà. Ça fait pas beaucoup de 20 minutes. Bon, c'est pas grave. Elle sera la composante d'une autre partie. Ça n'est point grave. J'ai que des graines de carottes et je peux rien planter. Et les chauves-souris dans tout ça. Je crois qu'il y en avait là-haut. Oui, il y en a là-haut. Ah, je vais peut-être pouvoir fabriquer mon papier. Merde, comment j'attaque? Lu, pause. Je sais plus, les contrôles. Attaquer, attaquer. Attaquer l'épée, c'est space. Kezako. C'est pas facile du tout. Oh là là! Ah, d'accord. J'ai un item qui me suivait. Eh ben, j'ai de quoi faire. Ah mince, c'est là, je crois, la messe. Je crois que la messe, c'est aujourd'hui. Eh ben, j'ai de quoi faire mon papier. Je ne serai pas obligée de scalper un cadavre. Donc, je vais aller à la messe pour faire mon office. Et essayer de gagner des points de spiritualité. Ou de spiritisme, je ne sais plus comment on dit. Ah, il y a encore de l'XP, là. Je vais encore mettre un lingot de fer. Ouais, après, il va falloir que je pense à remettre du bois. J'aimerais bien fabriquer aussi un chariot. Je crois qu'il y a un chariot pour transporter les rondins. Bonjour, mon père! Ah, c'est ça qu'il m'a demandé! C'était les bols! Hein, je ne suis pas le gardien, je suis en train de rentrer chez moi. Quand? Ah, je peux lui prendre ça? Des hosties? Effet quand utilisé, d'accord? Prière courante. Dis requis pour garantir le succès de la cérémonie. Ah, merde! Ah, il faut vraiment que le cimetière soit irréprochable pour que l'office fonctionne! Alors, je vais tenter une chose. Je vais tenter quelque chose pour remplacer ou juste embellir une tombe avec des pierres. Je sais pas si ça va marcher, mais qui ne tente rien n'a rien. Hop. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. C'est ça. Oui. Ah, c'est au pressoir ou au mélangeur à main, l'huile.
Bon, allez. On va au moins mettre un cadre en bois à une tombe. En espérant que ça marche. Donc le pressoir, faudra que je me renseigne à comment je le fais. Ah, alors lui, il est à 1. Clôture en bois. Voilà, je suis à 10, mon père. Commercer. Pour une pièce d'argent. Ah merde, mais non, c'est pas la qualité du cimetière, je suis conne. C'est la qualité de l'office, bien sûr. Mais oui. Mais je peux rien construire pour l'instant. J'ai même pas de bougie. J'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Commencez à prier. Sélectionnez un sermon. Allez, mes frères, mes sœurs. Prions le sainté. Notre église est merveilleuse. Waouh, quel discours. Sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. Oh merde! Ça n'a pas marché! Tous vos dons sont les bienvenus. Bah... Alors vous dites sympa, superbe sermon, mais... Ah! Ouais, ouais, ouais. D'accord, donnez mes amis, donnez mes frères, donnez pour ma poche. Échec. Merde. Non, je vais arrêter avec les permis d'exhumer, machin truc bidule chouette, hein, parce que... Bon. Oui, je peux le vendre pour 75. Je vais le garder quand même. Mais non, c'est vrai que c'est pas le cimetière qui doit être amélioré, c'est l'église, je suis débile. Mince, du coup, et c'était le pressoir. Il fallait que je me renseigne sur le pressoir. Technologie argile. Alors ça, je l'ai, la tour de potier. Mais elle est où, la tour de potier? Je sais même pas si j'ai de l'argile au final. Leur construire. Tour de potier, il me faut 6 clous. Est-ce que je peux fabriquer 6 clous? Oui, tout à fait. Let's go. Du coup, la tour de potier, je peux la construire. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Je la fabrique. Ah, il faut de l'eau. Fabriquer un mélangeur main, mais what? Mais où est-ce que j'ai été choper tout ça? Au secours! Ah oui, non mais je crois savoir où est-ce que j'ai été choper tout ça. Ça me revient. Ah, j'ai plus de place. Bon, bah tant pis. Au moins, j'ai de quoi faire en bois. Du coup... Non! Je veux fabriquer... Je vais aller fabriquer mon papier. Au moins, comme ça, j'aurai fabriqué le papier. Ah mais de l'argile, mais oui, il y en a là. Mais oui, bien sûr, bah oui. Eh ben, je crois que ça suffira. En papier, on aura tout ce qu'il faut. Mais oui, c'est vrai que j'avais... Bah, du coup, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas joué, que j'avais complètement zappé.
Les quêtes. Bon, j'ai au moins deux papiers. Mais il m'en demande combien déjà le mec? Le marchand, non. Oradrix, c'est pas ça. Ah, il faut que je vende de la viande à Oradrix. J'avais pas capté ça non plus. 5 pommes, 10 papiers. Il faut... 10... Non, bah, stop. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je voulais faire d'une pierre deux coups, mais je me suis ratée. Parce que là, j'en ai 4 et je peux en fabriquer 8 autres, ce qui est déjà pas mal. Donc là, il faudrait que j'aille faire un peu suer les chauves-souris. Ah, mais non, mais c'est que de l'étude, ça. Ouais, bon, là, on va pas déblayer tout de suite. C'est surtout le déblaiement du côté de serpent qui est intéressant. Avec des poutres, mais je ne peux pas. Bon, je vais cacher ça, là, tiens. Bon, on va essayer d'améliorer tout ça. Pour faire en sorte d'avoir une plus belle église. Il y a un Zef incroyable et je me suis trompée de chemin. Ah oui, non, ça c'est Madame Charme qui est présente ce jour-là, je crois. Ah, et puis j'avais dit que j'allais m'acheter des graines et j'ai pas été m'acheter de graines. Mais l'eau, mais c'est pas l'eau du puits, tout simplement. Bah oui. Un seau d'eau pure. Le mélangeur à main, mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cet outil des enfers? J'ai un affreux trou de mémoire. Utilisez ce seau pour obtenir de l'eau. Oui. Mais... Il y a un truc... Non. Annulé. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc... Mais merde! Il y a un truc qui m'échappe forcément. Ouais, je dois rater un élément, là. Je crois que je vais me faire une petite piqûre du rappel, là. Je vais aller dormir, parce que sinon mon bonhomme, il va tomber. Est-ce que j'ai quoi, là? Oh, mais tout était là-dedans, en fait. Je vais peut-être pas avoir le temps de dormir complètement. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que je commence à être un peu coincée de partout. Je me sens rafraîchie. Squalala, nous sommes partis. Donc là, il n'y a que de la bouffe. Mais il y a des graines de carottes là. Débilus. Graines de choux. Débilus. J'ai plus assez de viande rôtie, par contre. Y'a quoi, là? Oh, mais oui! Bien sûr! J'avais zappé! Ah, mais oui, tout se rejoint! Mais je peux déblayer! Oh, mais oui! Victoire! Serpent! Viens ici! Il s'est barré. Où est-ce que je suis? Non, viens là! Ah! Oh! Bonjour! J'en prends 30. Ah merde, je peux pas en prendre 30. Je peux pas en prendre 10 non plus. Arc.
Eh bah tant pis, je vais aller m'acheter des graines. Je vais aller m'acheter des graines chez le marchand. Déception. J'ai cru que je pourrais tricher. Mais en fait, non. Ah. Mais... Je peux pas acheter de graines aujourd'hui? Non. Mais parlez-moi, les gens, arrêtez de m'ignorer. Ah, mais attends, c'est peut-être toi qui vends des graines. Merci. Ah non, toi, c'est du miel que tu vends. Qui a besoin de miel? Qui a besoin de miel? J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui avait besoin du miel. 20 bols, et il a besoin de l'évêque, donc j'aurais pas pu les acheter quoi qu'il arrive. Le creuseur, 5 pots de miel. Commercé, et ben, je vais en acheter pour 5. Eh ben non. Donc lui, c'est l'apiculteur. Pas de problème. Et là, ça m'embête. Mais non, mais les graines, c'est vers le... Je suis bête. Idiote que je suis. Mais alors du coup, c'est bon de savoir qu'il y a un raccourci par ici. C'est bon à savoir, ça. Ça m'évitera peut-être d'avoir tout à traverser. Par pitié, dites-moi que vous vendez des graines. Non, je ne veux pas. Ah, mais... ah oui, d'accord, ok, merci. Elles sont là, les betteraves. Ça, ça me rapporte combien? Tout à fait. Et le marchand véreux, là, qui a besoin de ses légumes, il vient quand? Il vient demain! Oh mon dieu! Oh, je suis sauvée! Ça y est! J'entrevois la lumière au bout du tunnel! Mon calvaire est enfin fini! Ou presque. Parce qu'il me faut encore du paplard. Là, c'est quoi ici? Ah oui, c'est vrai que là, ça mène vers la colline aux enfers. Donc, j'ai acheté les betteraves. D'une manière assez dégueulasse, soit dit en passant, hein, bien sûr. Là, nous avons des baies. Voilà, nous avons des baies. Ça, c'est quoi? Non! Je veux prendre ces petits champlards, là. Non, non, non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que j'ai suffisamment de bois comme ça. Et alors ça, ça m'aide à... Tas de compost, mal, d'accord. Eh bah du coup, je peux peut-être m'amuser à planter, maintenant. Des carottes, voilà. Ah mince, les choux, je les plante ailleurs. Plate-bande avec bâton. Pourquoi? Alors oui, c'est que j'ai étendu... J'ai pas trop compris, là. Pourquoi ça, c'était pas travaillé. Peut-être que j'ai pu étendre mon champ et que du coup, j'ai même pas labouré. Je fais ça à la sauvage, je m'en fous. Ah, je pense que ce jeu, ça va devenir mon jeu débrief. Mais alors... Non mais... Mes graines de choux. Ah mais non, mais je les ai pas prises. Ça s'explique. Du coup, j'ai oublié mon objectif. Je dis vague, trop vite. Normalement, mes graines... Non, mes graines sont pas là. Mes graines sont là. Ah, je n'ai peut-être pas assez. Donc, du coup, je prends... Attends, attendez. Ça, du coup, je range. Ça, je range. Et bien sûr... Ça aussi. Comme ça, je fais de la place. Et je vais prendre mes choux. Mes carottes. Et mes graines de choux. Alors... Est-ce que j'ai réussi à fabriquer une ruche? J'en doute.
Je doute fort. Alors, agriculture et nature. Emplacement de pommiers, ouais, apiculture. Quand est-ce que j'ai débloqué ça? Oh, recette prière pour la culture. Oh, je peux faire des prières pour les récoltes. Intéressant. Ah, merde, mon bois de chauffe. Fiche. Ah, mais je peux pas passer par là, je me suis complètement bloquée. Bon, est-ce que je peux fabriquer au moins du bois de chauffe? Ah. On va jusqu'à 50. Je vais peut-être pas avoir assez d'énergie. Et non. Tant pis. Ce sera pour demain. J'ai pas été voir si... Ah bah non, mais de toute façon, je pourrais pas planter mes graines de choux. Bon, je dors. Je vais aller voir ce très cher marchand pour lui filer tous les légumes que je lui dois. Je vais aussi planter mes graines de choux avant d'oublier. Et hors stream, il faudra que je me fasse une petite note pour me souvenir de ce que je dois faire. Oh, il pleut! Bon, allez, non mais... Je vais finir ça surtout. Il faut que je me fasse du flou, ce nom d'un chien. J'ai pas assez de pognon. Voilà. Bon. Ah, il me faut 4 graines. Tant pis. Bah, au moins, comme ça, j'ai des carottes de planter. Oh, punaise. Les buissons qui me bloquent la route. Quel enfer. Allez, marchand. Par pitié, donne-moi de l'argent. Donne-moi du flouze, du pèse, du blé. Tout ce que tu veux. Mais par pitié, donne-moi de l'argent. J'ai tellement trichouillé pour avoir mes betteraves qu'au final, je suis même pas sûre que ça soit si rentable que ça. Faut pas que j'oublie ma trappe. Ma trappe secrète. La trappe qui est derrière les buissons, là, bien sûr. Bonjour! Tu veux d'abord ton herbe de merde? Oh non! Il manque 2 betteraves! Oh non! Infamie! J'ai les choux! J'ai pas les betteraves, non! Alors les graines, oui. Pourrais-je acheter des graines? Je ne vends pas ces trucs bon marché, vous devriez trouver des nains dans une ferme des environs. Ah non, pas du tout, non. Retour. Partir. Parce que rien ne me garantit que je pourrais lui rendre son fric. Mais lui, il vend que ça. Alors l'autre qui voulait 10 pots de miel, oh, c'est mort. Ok, je pourrais quand même lui vendre du bois. Je peux piquer tes... Non, je peux rien lui piquer du tout. L'autre vend des graines, mais oui, je suis bête. Je suis incroyablement stupide. J'espère qu'il aura tout ce qu'il faut. De toute façon, vu que là, je lui ai filé une bonne partie des graines, enfin des légumes qu'il réclamait. Commercer. Si je vends tout mon bois de chauffe, ça passe. Ça passe parfait, mais oui, c'est vrai, il y a des graines partout. Ah! Et non, ça ne passe pas. Eh ben, tant pis. Du coup, je lui ai acheté des graines, mais alors... Oh, faut que je vende tout mon bois. Bon, déjà, j'ai 51. Mais du coup, ça me donne quoi?
donc c'est bon. Tout va bien. J'ai mes graines. J'ai mes graines, mais... Malheureusement, ça ne va pas suffire. Ça ne va clairement pas suffire, et malheureusement, ce sera pour la semaine d'après. Et là, du coup, je vais pouvoir quitter le jeu. Et vous souhaiter un très bon week-end, bien sûr. En prenant soin de vous, comme d'habitude. Les mêmes choses. Donc, normalement. Voilà. J'ai planté mes betteraves. Je peux encore planter des betteraves. Merde, je les ai pas du tout plantées là où il faut. Ah, mes graines de chou, j'aurais pu racheter du chou, je suis débile. Bon bah tant pis. Me voilà cantonné, pauvre. Fossoyeur à... Du coup... Ouais, c'est ça dont j'ai besoin. Ouais. Me voilà réduit à couper du bois. Pour ensuite les revendre. J'ai pas le choix. Mon énergie descend à une vitesse astronomique. Allez, plus qu'un. Ah, et non, ça ne suffira pas. Alors, est-ce que c'est le bon matériau seulement? Parce que... Oui, c'est le bon matériau. Bien sûr. Bah, comme ça, au moins, j'ai vidé ma réserve. J'ai de quoi faire. Je ne m'en plains pas. Au contraire. Bon, et ben, ça va être l'occasion pour moi, et bien... de tout simplement dormir. Avant de dire le mot de la fin, bien sûr, c'était un stream fort en action quand même, avec un petit peu de galère au début. Et du coup, Graveyard Keeper, ça m'a permis, voilà, de me prélasser un petit peu. Et je pense que celui-là, je vais le continuer vraiment à petite dose, bien sûr. Donc au final, la VOD, vous en aurez eu pour 3/4 d'heure de vidéo. Donc on se retrouve bien une prochaine fois bien pour refaire un maximum de quêtes. Et là, ça va se transformer également en fabrication à donf. Hors stream, je vais essayer de me faire des notes pour vraiment avoir un listing des quêtes et ne pas trop chercher la prochaine fois. Et j'espère que la prochaine fois aussi, je me répète, du coup, parler à Serpent comme une des quêtes semble nous l'indiquer, si je ne m'abuse.